Alors, salut à tous et à toutes, c'est Circo. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Alors, je vous avais parlé d'un jeu que sur l'épisode I Am Alive, je vous avais parlé d'un jeu. Le voici. Je vais faire une petite vidéo dessus pour vous présenter un peu qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, un peu tout le tralala quoi. Excusez-moi. Personnellement, j'adore ce jeu. Je sais pas, j'ai bien kiffé dessus. C'est des petits trucs comme ça où il faut les éclater, faire tomber sur des bombes et les bombes doivent exploser et ensuite suite. Enfin, je vais vous montrer un petit exemple. J'ai bien avancé, mais on refait le premier niveau pour que vous voyez comment ça se passe. Enfin voilà. Alors ce petit bonhomme là, avec le truc qui tourne, c'est moi qui le contrôle. Si je le balance là, comme ça. Bon là je l'ai pas balancé trop fort, il s'est pas éclaté. Mais on peut le faire un peu attacher. Bon là il y a des pics, j'ai fait un peu le con. Mais c'est bon. Je peux faire revenir un peu le temps en arrière, ce qui peut un peu servir aussi. Bon là je gagne un peu aussi parce que. Je suis resté avec le bonhomme. Bon voilà, le but c'est d'avoir 3 étoiles, toujours avec des combos et tout, tralala, et ensuite suite quoi. C'est un jeu que franchement il est un peu bizarre, faut dire, mais moi je pense qu'il vaut le coup. Il vaut le coup, je crois que c'est 1200 ou 800, je sais même plus combien je l'ai acheté. Là on va tous les rassembler pour faire un méga combo. Là j'ai perdu le combo, c'est pas grave. Et en fait j'ai perdu tout le. À moins que. Mince, je suis en train de les éclater tous là-bas. Oh mince, c'est bon, voilà. J'ai fait revenir en arrière, vous avez vu. J'ai réussi à le prendre. C'est un jeu comme ça, tout simple, pas trop compliqué quand même. Pour le début, oui, c'est un peu compliqué, j'ai galéré quand même. Mais ensuite ça se passe très bien, tranquille. Bon, on continue un peu les niveaux comme ça, vous voyez un peu les niveaux qui. Mince, j'ai foiré mon truc. Voilà, j'ai loupé. Mais comme ça, vous voyez un peu ce que c'est, ça monte un peu plus de difficultés et ainsi de suite. Et je crois que j'ai encore foiré. Hop, non, c'est bon. Voilà. J'espère que vous avez compris, on va passer quelques niveaux ensemble. Vous me dites si jamais vous voulez que je fasse des épisodes pas toujours avec les mêmes niveaux, je veux dire ensuite suite parce qu'il y a beaucoup, il y a la partie combo, il faut faire vraiment le plus de combos possible pour marquer le plus de points. Et à ce niveau simple comme ça où il faut juste marquer les étoiles, bah voilà j'ai déjà fini. J'ai gardé un bonhomme encore en vie. Il y a la partie acrobatie. C'est faire des genres du truc comme ça. Attendez, je vous montre sur le prochain niveau. Voilà. Là, ça, comme ça. Quand il y a un petit emblème, genre une petite chaussure là, on dirait une petite chaussure de dame. Ou comme ça, c'est une acrobatie. Là, c'est une acrobatie, on voit pas très bien, c'est un petit avion, ça, c'est la fusée. Voilà. L'acrobatie et le parapluie, ça, c'est des acrobaties. Ils appellent ça des acrobaties, ça donne plus de points, plus de combos, et ensuite suite, voilà. Je peux te permettre de tout, vraiment, de tout faire pour enchaîner les points au maximum. Je vous montrerai une petite vidéo d'une personne qui a été classée premier mondial sur ce jeu. On peut voir les vidéos des autres. Moi, personnellement, ça m'a fait halluciner quand j'ai vu ça. Vous, je sais pas ce que ça va être. Mais... restez avec moi, vous allez voir ça tout de suite après. Non, c'est quand je me tais. Alors, hop. Je vais faire éclater par là, on va le faire revenir en arrière, hop, on enchaîne les combos. Et on passe par là, hop, voilà. J'ai un combo de 16, bon voilà, j'ai fini. Super. Au début, je galérais, mais là, je commence à bien jouer à ce jeu. Il est assez marrant, quoi. Personnellement, moi, je le conseille.
Je le conseille, faut dire. On va faire une petite partie combo, je pense, comme ça je vous montre aussi ce que c'est. Et acrobatie. Bon, là, c'est au début, ils vous montraient comment il fallait faire des. Le mode fusée. Si, je crois que c'était. Oui, c'était le mode fusée. Voilà. Expliquer à peu près comment faire ici, ça. Enfin, voilà. Je sais pas si on peut passer ce niveau. Non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. On continue. C'est vite fait, c'est juste encore une fois et ça va. C'est vraiment pour que tu te mettes dans le banc. Pour que tu comprennes comment ça se passe ici et ça. Voilà, j'ai gagné. Ok, super. Enfin voilà. On n'a même pas vu parce que j'allais tellement vite que. Voilà. On va continuer. On va refaire un dernier niveau. En mode facile. Enfin, mode facile parce que voilà, c'est facile, franchement. Il n'y a pas trop de trucs genre combo, tout tralala, tout tralala. Mais pourquoi je l'ai fait éclater là, quel dégueu. On va faire revenir en arrière. On va faire un peu revenir en arrière. Encore un peu. Eh non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, il y a encore un autre petit bonhomme à splatcher. Voilà. Et on continue à faire des petites acrobaties. Voilà, j'ai les 3 étoiles. Je sais même pas ce que je suis en train de faire, mais c'est pas grave. Oh mince, je l'ai splatché. Fait chier. Non, c'est pas grave. Et on continue. Mince. Ah putain, j'ai foiré le truc. Ah, c'est bon, j'ai de la shot. Enchaîne. Ça fait toujours plus de points qu'on enchaîne tout en même temps. Voilà, j'ai fait 2 442 000 points. Alors franchement, il faut dire, il est bon. J'adore. Bon, on va passer aux autres parties un peu plus compliquées du genre Combo Land. Enfin le premier, je fais 4 425 600. C'était ça, je pense que c'était écrit. Et c'est parti. Oups là. Ouais, alors c'est rien parti du tout, bah c'est pas grave. On continue. On va faire comme ça simple. Hop. Ah, j'ai éclaté mais comme une grosse merde. Ouais, j'ai perdu. J'ai mal utilisé le bleu là. Bon, c'est pas grave. Non, bon, c'est pas grave. On peut toujours se rattraper. Voilà. J'essaie de pas l'éclater cette fois. Voilà, j'ai perdu, je peux recommencer. Bon, on va essayer d'arrêter de faire le bête. On va éclater toutes les petites bulles là. Oh là là. Même. Oh putain, j'ai foiré le truc. Si j'arrive à rassembler ces deux-là, ce qui m'étonnerait. Ah, ce qui m'étonnerait beaucoup, je peux recommencer. Juste pour une petite boule. Pourquoi vous n'aurez pas compris en fait si j'éclate pas toutes les boules. Les boules. Enfin les. Fail. Si j'éclate pas toutes les petites bombes, bah en fait je peux recommencer autant que j'ai pas tout détruit en fait. Et là je peux recommencer parce que le bleu n'a pas tout détruit. Et comme ça, ça me permet de recommencer avec la rouge qui est tombée comme un gros débile. Ah là, j'ai fait fort. Voilà.
Ah, ce serait une bonne idée. Eh oui, c'était une bonne idée. Hop. Voilà, c'est bon. Et on continue. Il faut vraiment enchaîner les combos sur, sur cette partie-là. Parce que bah, voilà, c'est les points qui comptent. Enfin, c'est les combos qui comptent. Plus tu fais de combos, plus tu fais de points, plus t'as des étoiles et ensuite suite. Quand même, 26 de combo acrobatie. J'en ai encore un petit bonhomme. Et on va enchaîner. Oups. Truc inutile ce que je viens de faire. Je vais peut-être un peu trop vite. Ouais, je suis allé un peu trop vite. Mais je vais essayer de pouvoir faire quelque chose avec tout ce petit tas qui se présente là. Et j'ai pas réussi. Juste pour deux petites boules. Bon, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu toutes les étoiles au complet. Et j'ai perdu un bonhomme. Parce que j'ai pas fait attention. Et voilà. Et j'ai pas réussi de nouveau. Oh là là là, c'est pas possible. On va commencer par celui-là. Et voilà. Et on a réussi normalement. Badaboum, 3 étoiles, c'est génial, c'est cool, c'est tranquille, voilà. Et je crois que j'ai battu mon record en fait, je crois, je suis pas sûr. Voilà, petit combo load, on va passer au tir pro, qui est les trucs d'acrobatie comme je vous le disais. Il demande à certains points en fait d'acrobatie. Je vous ai pas très bien expliqué. Voilà, le petit avion, ça veut dire que je vais faire au moins une fois l'avion pour réussir le niveau. Voilà. Si je fais pas au moins ce qu'il me demande, je ne passe pas le niveau. Et je peux le faire qu'une fois. Je peux pas me déplacer comme je vous l'ai montré au tout début. Et voilà, c'est vraiment un jeu très rapide, il faut vraiment avoir des bons réflexes, savoir faire, voilà, savoir vraiment être attentif à ce qui se passe. Et voilà, c'est assez rapide, c'est génial, j'ai eu 3 étoiles, c'est magnifique, c'est génial, et on est tous contents. Enfin voilà, on a fait je crois le tour, je vais juste vous montrer une petite vidéo dans le gars. Par exemple, si le niveau ne contient aucun classement, mais là on va faire par rapport aux points. On va se concentrer sur celui-là. Hop, Y. Elle prend moins. Premier mandal avec 59 de combo. Bon, il y a pire. Hein. Là, je vous montre un petit niveau en plus. Et c'est parti. Franchement, vous allez être épaté parce que moi, je suis resté avec la bouche ouverte. Là, bien sûr, c'est pas moi qui joue, hein. C'est un mec qui joue. Comment il fait ça, comment il fait ci, voilà. Et il enchaîne les combos, c'est ça le pire. Ça mousse comme un fifou. Je sais pas comment il le fait. C'est un autre niveau. Il faut le dire. C'est vraiment mal là, putain. Ouais, franchement, j'ai vu ce genre de truc. Je me suis dit, c'est pas humain, c'est pas possible. Comment le type il peut faire ça tout en gardant un truc. En étant tout en même temps concentré sur ce qu'il fait, ce qu'il doit faire. C'est vraiment.
un truc. Bon, là, vous jouez pas, mais si vous jouerez, vous comprendrez, je crois, ce que je veux dire. Là, il va enchaîner en fait les boules pour gagner un peu plus de points. Vraiment, toutes les envoyer, c'est un peu le bordel, je comprends plus rien à la map. On sait juste qu'il a tout détruit, on n'a rien compris comment ni pourquoi, mais on sait qu'il l'a fait. Voilà. Et il va pas s'arrêter là, hein, c'est pas fini. Là, il envoie un bout là, il envoie un autre bout là, il envoie un autre, je crois. Et ouais, il en envoie un autre, on comprend plus rien, c'est le bordel. Et il a tout détruit, voilà. Tu sais pas pourquoi ni comment. J'ai pris la même partie, c'est la même partie que je l'ai fait sur Camboland. Et il l'a fait. Et tu sais pas pourquoi ni comment il l'a fait, mais il l'a fait. Je peux vous montrer encore un autre niveau. Je suis jamais le premier niveau du début. La première partie que j'ai fait. 35 de combo, voilà, c'est pas les combos qui comptent, c'est plutôt les points, les étoiles, mais il a enchaîné aussi pour faire en sorte qu'il a fait le plus de points possible. On va regarder ça. Voilà. Et il s'amuse avec un petit bout. Attends que le reste il arrive, comme ça il perd pas de combo. Voilà. En une manche, il a eu les 3 étoiles. Là, il attend que d'envoyer l'autre pour se faire plus de points. Bah, il l'envoie carrément par terre, c'est plus pratique. Ça fait monter les points. C'est fou, n'empêche qu'ils inventent de nos jours comme jeu, c'est vraiment un truc de malade. Et ceux qui sont encore plus cons, c'est ceux qui l'achètent. Naturellement. Mais il faut dire, c'est un bon jeu quand même. Voilà, il a tout enchaîné comme ça. Facile, normal. Je pense qu'on va faire encore une autre vidéo. Mais, enfin, regarder encore une autre vidéo, mais... le dernier niveau qui est un peu plus compliqué, toujours dans le dans les... ah mais en fait c'est moi qui ai envoyé. Bon, c'est pas grave, on va faire une autre partie comme ça. Et j'ai foiré mon coup, j'étais pas attentif. Bon, c'est pas grave, on recommence. Ouais, super, j'ai foiré, on peut recommencer. Oh là là. Voilà, c'est ce genre de truc. J'arrive presque pas à faire comme eux ils font. Bon. J'ai l'air un peu con là. C'est tout à fait normal. Et voilà, j'ai refait la même bêtise. Putain, mais faut pas faire ça tout de suite. C'est pas grave, c'est une perte de temps. Bon, on va réessayer, si j'arrive pas, on oublie parce que là. C'est pas ça que je veux faire. On peut recommencer. Je vais réessayer encore une dernière fois. Et si vraiment cette fois ça ne va pas, j'arrête. Voilà, j'ai ce que je voulais. Voilà. C'est ça que je voulais faire. C'est pas fini, c'était la première manche. Mince, j'ai fait la bêtise parce que j'ai pas fait attention à ce qu'il était écrit. Thank you.
Mince. Mince, voilà. J'ai perdu la manche. On recommence la manche. J'ai fait un peu le débile. Le gros débile. J'ai pu faire quand même quelque chose de bien. Hop. Et on fait tout éclater. On fait tout péter. Hop, on va faire tout mouiller. Tac, voilà. On va faire péter celle-là. Par contre, j'ai pas vu ce qu'il y avait en bas. C'était une rouge. Et je dois recommencer. Il y avait une en bas à droite. Elle est compliquée quand même, putain. Voilà, hop. Hop. J'ai fait éjecter un bout n'importe comment. Je ne sais même pas où il est parti. Là-bas en haut. J'ai fait tout partir en rouge. Je vais faire tout partir en violet. Eh, j'ai pas eu de chance. Putain. Juste pour une boule, quoi. Mais au score. Là, je l'ai fait beaucoup trop tôt. C'est pas grave. Ça arrive. Les bêtises. On essaie de réparer ça. Et c'est bon, j'ai réussi à réparer. Hop. 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 J'ai envoyé là. Et voilà. Et j'ai pas réussi. Ouais, j'ai réussi. Quand même, j'ai cru que j'avais loupé. Deux parties restantes. Et on continue à enchaîner. Et on enchaîne. 3 étoiles. Super. Et après ça, je pense qu'on va s'arrêter quand même. J'ai le fail. Ah non, j'ai pas fail. Eh, j'ai râlé, moi, je plouffe. Voilà, c'est bon, j'ai éclaté. Super, incroyable. Et dernière partie. Hop. Non, j'ai fait la bêtise, la plus grosse bêtise. C'est pas grave, on essaie de réparer l'horreur, mais on n'arrive pas. Et on s'est fait trop lol. C'est pas grave. Et hop, et hop, et splatch. J'adore quand ça fait splatch. C'est mon moment préféré du jeu. Est-ce que je vais réussir? Je pense que oui. Ça devrait être possible. Me reste, je n'ai pas vu, j'ai pas fait attention cette fois. Voilà, j'ai tout mouillé en place orange que j'ai pas fourré non plus. Et voilà, c'est finition, enfin, on est content, génial, incroyable, et voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, la présentation vous a plu, de ce jeu incroyablement délirant, stupidement stupide, mais qui vaut le coup d'être acheté quand même, pour ceux qui kiffent la rapidité, le réflexe et tout ça. Je crois qu'il est 1200 points, ou je sais plus.
Alors attendez-vous à d'autres vidéos aussi pourries que celle-là. Et à la prochaine, abonnez-vous, mettez un j'aime ou mettez un j'aime pas, comme vous le voulez. Et à très bientôt. Salut.